Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous toutes au branché télévision nationale d'Haïti et bienvenue dans le journal Mi-temps Journée. Président public là, Jovenel Moïse, Deguiakli, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, agronome Joubert Engrand, visité bloc plantation d'Iri, Novaïla-Tibonite, dimanche 12 août 2018 là. C'était occasion pour chef l'État assister les côtes d'Iri qui t'a fait Novaïla. Président Jovenel Moïse félicité 1700 plantés qui mettaient tête yo ensemble pour réaliser travail sa yo. N'a plutôt suivi un reportage à Sainte-Croix-Paki. Diri Sayo qui a récolté dans bloc 6, localité Kova, dans la vallée de la Tibonite, c'est réalisation travail 1700 plantés qui prêtait l'argent à travers coopérative production agricole des chapelles dans facilité aux produits plus du riz dans la vallée. Yon initiative, président républicain Jovenel Moïse applaudit qui remet planté yon lot matériel agricole pour couper avec vendre du riz pendant les promettre pour continuer à accompagner planté yon dans renforcer l'agriculture dans quatre caravanes changement. Moi là avec planteur. Dans la vallée la Tibonite, moi là avec planteur dans le bloc 6, un mouvement que nous créons, c'est le Jacques Pombo. Je dis à me penser que les gens qui ont dit ça, dans le bloc 6 là, on ne peut pas dire encore parce qu'il y a 1700 personnes qui mettent tête ensemble, qui font je dis à nous réaliser. Ils mettent tête ensemble. Ils baillent terre, quantité en grève pour eux, quantité de l'eau pour eux, ils arrivent dans la première projection que vous avez. Il y a parlé de quatre pour nous économiser temps, mais tout la permet nous permettre de plus travail qui fait dans vallée. Mais ça a son timon parce que non seulement nous parlons de travail sur engrais pour capable permettre non seulement mon yo joindre les plus joindre, mais tout pour capable joindre dans prix qui bon pour nous. Restituer au DVA pour capable permettre que les bail service là pour le Bali parce qu'il pas normal pour nous capable de 50 000 hectares nous pas capable non seulement nous pas capable purer canaux nous pas capable mettre de l'eau à disposition mon yo donc notre travail pour restitution ça fait tout de suite. Heureusement Pina qui te prend la parole dans nos plantes remercier le président République Jovenel Moïse pour machine agricole ça yo cap utile dans vallée. Nous vous remercions en pile, président. En pile, merci trois fois. Chaque fête, je dis, c'est un miracle. Pas de monde pense que nous arrivons dans une situation ça, pour nous des machines qui viennent récolter, voter du riz pour nous. Renforcement bloc plantation du riz, c'est une idée chef d'État nourri pour bailler 270 000 tonnes du riz pour année. Dans le même sens, le président Jovenel Moïse a annoncé travail, irrigation et construction de route agricole après poursuivre dans la vallée de la Tibonite. Merci Paki à tous ceux qui étaient présents pendant la visite du président public là, Jovenel Moïse, était fait dans la vallée de la Tibonite. Magistrat, commune Saint-Louis du Nord, Gaston Estima, exprimé contentement par rapport à divers projets qu'a réalisé dans la commune, dans le cadre de caravane changement. L'école de travail Sayo pral bénéfique pour la population. Un reportage avec Richardson Jordan. Construction yon pense ou rivière bas à qui yon médiathèque, c'est quelques parmi notre projet gouvernement a réalisé dans la commune Saint-Louis du Nord dans le cadre de caravane changement. Pour point, travail yon déjà réalisé à 90% d'après magistrat Saint-Louis du Nord, Gaston Estima. Pour premier citoyen commune, nan, lui fait connaître, il était seulement béton qui pour couler sous lui, alors que médiathèque là, boss qui sous chantier a travaillé à grand pas pour comment yon ka fini à travailler avant longtemps. Magistrat Gaston Estima bat bravo pour Ponsa qui va le desservir plusieurs sections communales avec médiathèque là qui va le permettre jeune yon jouer un espace pour mener activité culturelle yo. On peut commencer depuis 5 ans écoulés et mais avec l'arrivée du président Jovenel Moïse et chef cabinet Wilson Lalo qui essayer de faire tout ça possible, tout ce que le vibe est comment pour ça capable de finir journée aujourd'hui. Soit garder bien, ou après un pile effort faire pour exproprier les gens qui étaient sous côté à cap bail problème en pile, ils finissent exproprier et maintenant, ou après, ils finissent faire ferraille pour avancer à cheval. Il y a médiathèque là qui a construit plusieurs bandes de béton qui a fait à travers la commune. Ouais, quoi que, et comme nous allons dire, senti aux anges. Magistrat Gaston Estima, tu parles de l'autre projet, il est déjà réalisé dans la commune, tant que bétonnage, route sous fora,
Pendant le remercier le gouvernement pour l'initiative ça. Puis il faut une zone souffrante en bétonné, quelques petits côtés qu'on peut bétonner, c'est la terre où il y a l'on dit, comme moins doux déjà, il est toujours là, il a cherché, il a fait deux marches, il n'a pas dormi, il est nous à tout bon moment. Il y a un petit pont, passerelle qui parle fait tout, avec accompagnement sénateur Louis toujours, qui toujours rencontre nous-mêmes comme magistrat Kazek, pour dire ça, pas qu'à arrêter comme ça. Projet Sayo qui est entré dans le cadre de caravane changement, c'est une stratégie gouvernement qui vise à bailler comme une Saint-Louis du Nord dans notre visage et puis faciliter la population à fonctionner comme ça doit. L'autre information dans le journal ça, première dame République la Martine Moïse visité week-end passé à Doriska Kamisil qui a accouché 4 timoun dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs Incarnation yo dans la commune Taba. Pendant visite ça, première dame nan Martine Moïse fait connait l'état haïtien prêt à soutenir famille ça. Le reportage avec Falant Delphin et puis Pierre Duvigno. Doriska Kamisil, c'est notre dame qui a accouché 4 timoun dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs dans la commune Taba. Dans souci pour appuyer famille Silla, première dame République Lamartine Moïse te rendit visite dans l'hôpital là pour te offrir matériel pour petit bébé autant que cuvette, trottinette, poudre et savonnette. Pour première dame là, c'est une obligation pour lui te présenter dans circonstances là. C'est aussi pour montrer support à la famille pendant première dame Martine Moïse by garantie l'état pour accompagner famille ça qui gagne 7 personnes en total dans effectif li. Chaque fois côté gagne une femme qui gagne problème côté gagne un monde qui gagne problème c'est maman mien nous toujours là pour venir pour me soutenir yo Camille s'il était un premier petit déjà il fait 4 ensemble ça veut dire que couler il gagne 5. Il y a 5 personnes qui sont responsables de même avec Maril et tous les deux n'ont pas de travail. Donc, dans le cas ça, moi-même, comme première dame, il faut venir pour porter support à eux-mêmes, à ces bébés. Parce que là, il y a un problème, il faut capable d'aider. Parce que lorsqu'il y a une maman, un seul coup, il y a 4 personnes qui ne peuvent pas prévoir. Il ne peut même te connaître s'il ne peut pas faire 4 personnes. C'est venu, il vient accoucher, il vient faire un premier, il fait un deuxième, il vient saisir, il fait 4 personnes. Parce que lui-même, il ne peut pas connaître. Donc, pour l'IA, les gens qui ont 4 personnes sous bras, l'obligé de jouer le support de l'État. Parce que l'État est supposé aider. Parce que leur couleur qui a mis 4 personnes, ils ne peuvent pas prendre soin de eux pour compter, ils ne peuvent pas prévoir ça. Mais ils vivent et ils ne peuvent pas vivre. Donc moi là, je voulais que Camille s'il connaît que Marvel, je voulais que Camille s'il connaît que première dame, si vous mesdames parlent, pour mesdames dans là, pour supporter elle, et moi t'es venu jeudi à la petite phrase et sur le côté support. Permettre parents de rejoindre un travail décent, c'est un principal objectif première dame Martine Moïse fixé tête lui, ça qui va aider dans l'élévation de Timounio. Direction départementale l'Ouest, police nationale l'a annoncé lundi 13 août 2018 là, opération boucler la RIA cap renforcer sécurité dans le pays. Porte-parole PNH là, Michel Angeli Jeune expliquer ensemble disposition qui prend pour empêcher individus mal intentionnés attaquer paisible citoyen cap mener occupation. Plus explication dans micro Midray Elias. Pour le département de l'Ouest là, il y a 3000 policiers qui sont disponibles pour ça. À bien 3000 policiers qui sont disponibles pour le département de l'Ouest là. D'accord? Mais ça qui est plus important dans l'opération ça, c'est que on pas seulement ouais personnel policier dans la rue sans pas gagner des gradés qui accompagnent yo. Et après toute unité spécialisée yo, il y a là. Et opération ça, il est là 24 sur 24. Sauf différence là, c'est que on a remarqué présence policière là beaucoup plus pointue dans heure de pointe yo. Parce que nous, en pays, c'est, nous connaissons, c'est 8h, 4h. D'accord? Dans l'heure de pointe, on a pour la présence policière la plus active que l'autre l'heure qui n'a pas trop activité. Mais toujours est-il, il y a des gens qui sont disponibles en cas où tu as un bagage, que tu as besoin de gens qui sont disponibles pour répondre. Nous lançons une opération boucler la rue, pour qui ça nous relance l'opération ça? Parce que nous connaissons, chiffres là, même si nous pas parlé de chiffres aujourd'hui là, mais c'est parce que nous n'avons pas de chiffres. Naptan, période de la finie, peut-être n'a fait un bilan, n'a qu'à dire où, ensemble d'opérations qui étaient faites déjà, yo, à opération nous lancer Konya là, qui côté nous sorti, et qui côté nous y est Konya là. Mais c'est parce que chiffre yo pas là. C'est pas parce que chiffre yo pas là. Même quantité de plaintes, nous t'es qu'on recevoir avant opération yo, yo complètement diminué par rapport à nombre de plaintes que nous recevoir Konya là. Toujours sous même dossier, à yon l'autre bord, police nationale l'a annoncé, gen mezi kan pran pour gen pi bon contrôle, soit activité ka fait nan nuit yo.
Commissaire principal Jean-Ismaël Auguste fait connaître décision ça venir à cause en pile monde qui a plein pour activité ça yo qui troublait la paix publique et puis qui finit trop tard dans zone côté au fait là. Jean-Ismaël Auguste a porté plus explication dans micro Midray Milias. Nous pas gagne aucun problème avec monde qui fait activité soit économique ou bien activité de loisirs qui générer n'est-ce pas des sons. Mais la seule chose, mon limite, ok, n'est pas de gagner des forts du malagami cap nuit collectivité. Automatiquement que vous dépassez la limite là, ok, et bien la police normalement a rappelé à l'ordre et laisse ça ou une faire une infraction qui relève ou trouve à l'ordre public. Organisateur qui est sous ça, que disposition yo pral appliqué. C'est que nous annonçons les dispositions. Vous voyez? Mais, mon ami ne doit pas être de radio, il ne doit pas être des choses pour t'étendre une séquence nouvelle qui fait mention de ça. Mais le fait, avant que l'organisé activité, il ne chie pas parler avec la police, et bien la police l'a pleine là. Disposition ça qui prend dans l'intérêt collectif. Donc, nous bien dit que organiser question genre d'activité, c'est bien, mais l'IPA doit déranger la collectivité. Donc, il est tout à fait anormal, ok, pour que, comme bon vous semble, et puis ou verser ou dans une organisation anarchique de ensemble d'activités qui entend déranger tout. La police pas seul acteur ne va pas réagir ou ne va pas agir dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, s'il le faut que pour ayons cohésion, nous ayons concertation avec d'autres acteurs tels que la justice ou autres qui jouent dans ce sens-là, et bien qu'il est vent ou à l'ouest, gagner des décisions, n'est-ce pas, à plus niveau du droit, de façon à ce que les décisions salaires de l'esprit. Voilà, cette explication, commissaire principal Jean-Ismaël Auguste. Dans l'occasion 52e conférence lundi la presse, ministère communication recevoir lundi 13 d'août là, directeur général ministère santé publique et population, docteur Laurie Adrien, qui était gain ak li, directrice exécutive l'hôpital Université l'État, docteur Jessie Colimo, conseiller technique ministère santé publique, docteur Alix Lasseg. C'était occasion pour responsable parler sous wall l'hôpital communautaire référentiel, défis qui gagnent pour bay soin à travail qu'a fait pour répondre à besoin passé. Qui te compte fréquenter Centre Médecin Sans Frontières. N'a qui te suit, un extrait dans le micro, Rachel Saint-Fort. Est-ce qu'il y a trait à Médecin Sans Frontières qui te dans Delma 33, ça ne les centres couillots qui fermaient? Nous te connaissons recevoir des femmes enceintes, mais des femmes enceintes avec des problèmes particuliers de la grossesse, ça ne les des complications, des grossesses à haut risque. Nous ne te connaissons recevoir toutes femmes enceintes qui sont dans le pays. Donc nous te connaissons structure qui te connaissons recevoir l'autre femme enceinte. Évidemment, lorsque nous recevons un malade à risque, pour prendre malade là en charge, il est tellement lourd que il est presque absorbé toutes les ressources qu'on gagne dans le système là, qui pas permettre qu'on offre un soin de qualité même à des mondes qui pas gagne gros complications. Ça nous fait parce que si je prends des détails, actuellement nous en train de renforcer et me peser sous moi, n'a renforcé capacité d'accueil. Maternité qui pipré couillot, c'est-à-dire maternité l'hôpital La Paix et service de pédiatrie. Nous commençons par deux services dans l'hôpital ça, premièrement parce que c'est eux-mêmes qui tout près. Donc, les gens qui étaient habitués à venir dans couillot, ils ont un réflexe pour traverser sous côté, pour jeunes soins. Et l'un parlait de renforcer capacité, c'est pas que nous mettons plus cabane, nous allons l'autre plus gros l'hôpital, etc. C'est pas ça nous plaisir. N'a pas agi sous personnel, là. Nous commençons à faire ça déjà. N'a pas agi sous accompagnement que nous comptons à l'hôpital yo, en termes d'intrants et de médicaments. Et puis, nous avons agi tout sous équipement. Moi, je crois que nous répétons déjà, et M. Saint-Frontière dit le tout. Il y a en partie dans l'équipement qu'elle a utilisé, que lui mettait gracieusement à disposition certaines institutions, dont l'hôpital ça a bénéficié d'eux. Est-ce qu'il y a un service de pédiatrie hein? Actuellement, si vous allez dans le service de pédiatrie, vous allez voir que y a des travaux qui ont fait
pour remettre en fonctionnement ça les services néonatologie qui pour occuper de timoun prématuré timoun a besoin spéciaux que médecins sans frontières de qu'on occupe. Pour deuxième structure là c'est médecins sans frontières tabac pour dire qu'il a annoncé qu'il va le fermer en 2019. Là parce que nous commencer préparation un petit peu mieux mal de pour qui raison. Il est beaucoup plus facile pour nous redistribuer malades obstétriques dans d'autres structures que pour nous redistribuer malades traumatologiques, malades orthopédiques et traumatologiques. Donc, déjà, semaine dernière, nous avons eu une réunion avec personnel service orthopédie de l'hôpital général pour nous connaître qui sont capables d'accompagner eux. Non, besoin en personnel, besoin en matériel, besoin en matériel et en équipement pour capable absorber une partie de malades. On a travaillé sur fermeture prochaine Médecins sans frontières tabac et gagné nous sommes parlons de un centre d'urgence Delma 2. Nous gagné service d'orthopédie l'hôpital général. Mais nous gagné tout deux projets spécifiques. Youn c'est construction, pour me dire, reconstruction, service d'urgence, l'hôpital universitaire La Paix. Et ça, discussion très avancée avec partenaires qui ont porté financement. Donc, dans un avenir pas très lointain, les travaux peuvent commencer. C'est-à-dire que nous allons mettre un service d'urgence, refaire service d'urgence La Paix pour permettre que les urgences hospitalières soient capables de gérer là. Deuxième structure là, c'est l'hôpital de référence de Bon Repos. Ça n'est pas assez de Bon Repos. Hein. Côté que actuellement, les études sont en cours pour renforcer la capacité d'urgence de l'hôpital. Ça, pour mettre un service d'urgence là-dedans pour capable prendre la plupart des cas qui viennent dans l'entrée nord capitale. Le dossier dans le journal ça, député circonscription Safolé à Marie Bonhomme avec député Mol Saint-Nicolas, prêché entente dans mitan député qui fait partie Alliance parlementaire pour Haïti, bloc majoritaire dans chambre député A. Des parlementaires ça. Responsabilité à partager à monde de responsabilité de partager à sortir de là. Parce que nous, monde gros politique, nous-mêmes, constitution en bas, nous ne doit pas droit. Et n'a pas exercé sans pression. Nous ne pouvons pas pressionner même personne. Je vais dire que c'est droit pas noir. Depuis le premier ministre est venu là, il dégage une majorité. Alors non, là, c'est lui qui dégage la majorité. Depuis le dégage la majorité, il faut parler avec le parti politique, député. Il faut parler avec la société. Il faut parler avec tout le monde pour parler. Et puis on peut parler. Nous-mêmes, ce qui est plus important pour nous, est-ce que le choix ça, c'est un choix qui est vraiment capable de répondre à revendication populaire, est-ce que son choix vraiment capable de porter solution à tout problème, ça capable de contribuer à porter solution à tout problème, parce que les cellules peuvent porter solution. Quelque chose à mon notre choisi, les cellules peuvent porter solution à tout problème, vraiment. Mais c'est nous tous, haïtiens, qui pour mettre ensemble, qui pour permettre que solution à porter. Moi-même, je pense que, on s'en approche des APH, qui c'est le bloc majoritaire en dedans chambre député. Moi-même, je appelle son appel à toutes député dans bloc APH qui c'est bloc majoritaire et en particulier en particulier à tout monde qui a parlé dans la radio et dans nos blocs là moi t'a souhaité que yo ressaisi yo parce que pays a grand pile problème nous même nous grand pile problème dans circonscription la caïnou nous grand pile problème moi même personnellement moi pas ca dans litige moi pas dans conflit parce que nous grand pile problème pour résoudre dans circonscription et que jodi a li pas un moment pour nous à diviser, nous pas un moment pour nous jouer et parler en pile, mais c'est un moment pour nous réfléchir ensemble, pour nous connaître que, pour nous garder politique générale que le Premier ministre Pralvina Vella, est-ce que son politique générale qui réaliste, est-ce que vraiment lui vraiment adapté à la réalité moment? Bon côté PAL, député circonscription Jérémy Angladis Saint-Jean lundi avec député Kafoua Jacques Beauville fait connaître ratification énoncé politique générale et en premier ministre gagne deux phases, une technique, l'autre la politique. Des parlementaires ont dit dans le premier ministre Jean-Henri Seyan, si techniquement pièce est correcte dans la déclaration politique générale là, PM l'a prouvé il est capable d'améliorer la majorité population, hein, il a paré pour voter en faveur. Il extrait toujours dans le micro Fédéral Confident avec Maurice Oudic. Pour y avoir vérifié, c'est
l'ensemble document et PM nommé pour nous garder est-ce que nous répondons justement à ensemble critères que la constitution lui-même exigeait. Et par la suite, c'est pour regarder tout par rapport à personnage et par rapport à présentation politique générale, est-ce que nous est en mesure pour que lui adresser ensemble défi qui est sous terrain là capitaine et quel que soit au monde qui sorti et là comme premier ministre. Le processus de ratification ou bien énoncé politique générale du premier ministre, il y a deux aspects, un aspect technique et un aspect politique. Et moi-même étant comme parlementaire qui a soutenu la vision du président Jovenel, si Liban ou Premier ministre, il remplit les conditions techniques, c'est-à-dire toutes pièces qui ok, n'a pas voté. Aspect politique là, c'est convaincre moi. Parce que nous sommes dans une assemblée politique, il faut moi qui s'accroît le fait dans les jours qui viennent pour payer moi. Nous devons entrer l'école. Politique, c'est le rapport de force, mais c'est un jeu d'intérêt. Il faut moi intérêt commun d'abord, intérêt pays et puis pour marcher. Dossier éducation, session extraordinaire examen baccalauréat commence lundi 13 d'août là, pour bout 17 d'août cap vini là. Et les philoyo composé non philosophie et biologie pour journée lundi à Daline Dorival a dit nous plus dans un reportage. Plusieurs élèves philo qui sortent dans diverses écoles dans Port-au-Prince, composés dans des matières philosophie et biologie pour première journée examen. Dans quatre visites, plusieurs centres examen parmi eux, lycée Alexandre Pétion et lycée Fritz Pierre lui, quelques candidats expliquaient comment épreuve la terre pour eux. Examen pas tellement dur, non. Bon, nous dégageons parce que nous dégageons une chance déjà, ou bien nous l'autre chance. Je m'a fait tout le monde aussi pour me passer. Je suis composé pour me faire, je ne pas attendre que je me journée, c'est réussi que je réussi, mais justement, je suis venu à ma journée et pour examiner ça, je suis descendu pour moi, je pense que je fais moyen quand même. Je pense que normal, je travaille malgré que je n'ai pas un pile de temps pour le travail, je n'ai pas un résultat trop tard, mais je travaille. Je souhaite un résultat positif. Je dégage assez bien parce que. Dans le premier examen, nous avons eu un exemple côté nous tomber, nous avons fait nous tomber. Nous avons dégagé assez bien. 12 salles de classe dans chaque lycée pour un effectif 30 élèves dans chaque salle. Ces déclarations sont censées des lycées SAIO. Responsable SAIO fait qu'on n'y a pas enregistré aucune irrégularité pendant le premier jour d'examen. Nous avons deux sections là, nous avons une section C, nous avons une section D. Et 12 salles nous avons là, 7 sections C. 5 sections D. Et après, vous êtes très bien. Si vous n'avez pas plein pour Texlan, ni pas plein pour les tout, vous êtes venu à l'heure et puis vous cherchez Salio. Nous aider à chercher Salio tout et pour ça, nous là. Et puis vous rentrez normalement et puis l'examen commence. Pas de irrégularité parce que l'examen est venu 8h30 pendant la réunion et l'examen est venu à temps de nous. Nous commençons à l'heure et nous pouvons commencer à ramasser tout de suite là. N'a pas rappelé, c'est sûr extra ordinaire baccalauréat a déroulé sur tout territoire national là, sorti lundi 13 pour arriver vendredi 17 août 2018 là. Voilà, moment arrivé pour nous observer un coup de pause dans le journal là, pas déplacé, n'a pas tenu tout de suite après. Dans le dossier sport, Coupe du Monde féminine U20, sélection féminine Pipiti passé 20 l'année qui sont participé. Dans la 9e édition, Coupe du Monde féminine après entrer dans le pays mercredi 15 août 2018 là, à 1h PM. Et puis à l'étranger, basketball NBA, ancien joueur Oklahoma City Carmelo Anthony, pralpoté officiellement pour le Houston Rockets pour la saison 2018-2019 là, cap démarré dans le mois d'octobre, cap vini là. Eh bien, messieurs, dames, c'est la journée la boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à être branchés pour suivre cette programmation. Rendez-vous avec celle des nouvelles là. C'est à 7h pour téléjournal là. Bonsoir à tout le monde.